Jésus, 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 dans mon cœur, autour de mon cœur, Jésus, dans ton cœur. Jésus le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Tout-Puissant. Le bonheur, la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus, 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 le ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonne journée. J'ai été absent quelques jours. Je ne reprendrai pas le rythme de 3 par semaine, les dimanches, les mardis, les jeudis, les dimanches. Ce sera au rythme de la santé. J'ai quand même passé 3 nuits à l'hôpital, donc 4 jours. Et j'y allais pour des poumons embourbés et de la fièvre et de la sudation. Je suais la nuit à me changer les draps 2 à 3 fois. J'ai même fait 6 fois à l'hôpital. Il y avait un problème qui durait depuis un bout de temps. Bon, je ne me plains pas. Bon, je sais que vous priez pour moi, je sais que vous m'aimez, je sais que je vous aime. Et quand ça ne va pas, ben, ça me permet d'être proche de Jésus. Donc, Jésus en moi, moi en Jésus. Jésus qui a de la fièvre, moi j'ai de la fièvre. Mais dans tout ça, je prie pour vous. Moi, la souffrance est une terre de prière. Une terre de prière. Quand il y a des choses qui ne vont pas, qui me dépassent, qui me font peur, je prie. Et je le vis avec Jésus. Et prier, c'est vivre avec Jésus. Ce n'est pas des formules. C'est vivre avec Jésus. Le Père Zundel dit, je ne crois pas en Dieu. Pourtant, Père Zundel. Je ne crois pas en Dieu. Je vis avec Dieu. Ben, c'est ça la prière, c'est vivre avec et vivre tout. Et quand je suis allé à l'hôpital Hôtel Dieu à Québec, j'y allais pour les poumons. Et puis je suis rentré à 9h, puis à midi et 10, j'étais dans une civière à l'urgence. Ils ont pris une radio de mes poumons, puis ils ont découvert que je faisais une péritonite. Wow! Regardez sur Internet. Péritonite aiguë. Post-COVID. Vous le savez, j'ai pris la COVID à Paris. Ça a très bien été, mais il y avait toujours un petit peu... Il restait dans le nez, dans la gorge, dans les poumons. Et finalement, ben, ça commençait à être la sudation, des montées de fièvre. Et la péritonite, ben, c'est l'enveloppe du cœur qui est inflammée où il y a de l'eau. Beaucoup de gens en meurent, d'ailleurs. La mort suite à la COVID vient de ces inflammations, soit dans les poumons, pleurisés ou autres, ou l'enveloppe du cœur, parce que c'est là que sont les tuyaux qui amènent le sang. Donc, si c'est trop compacté, ben, ça peut faire des AVC, ça peut faire toutes sortes de problèmes. Bon! Au moment où je vous parle, ça fait 2 nuits que je n'ai pas eu de sudation. Merci Seigneur. Pas obligé de changer complètement de t-shirt, de gilet de nuit, de matelas, de drap, etc. Bien que je mettais maintenant des serviettes pour éviter tous les inconvénients de la sudation, mais je ne suis pas aussi fort que j'étais. Et on m'a demandé de prendre ça mollo, donc mollo. Mollo, mollo, mollo. Mais ce que je trouve extraordinaire, et je te le dis, c'est encore une fois par hasard qu'ils ont trouvé. J'y allais pas pour ça. Mais en prenant une photo des poumons, ils ont vu sur le rayon X qu'il y avait une péritonite aiguë. Je trouve ça extraordinaire. Et comment ça s'est passé? J'étais en prière. C'était dimanche passé, ça. Et j'avais le choix, parce que j'avais eu une nuit difficile, je faisais encore un petit peu de fièvre le matin. J'avais le choix entre aller à la messe, parce que je ne veux pas manquer ma messe de 11h, le dimanche matin, ou aller à l'hôpital. J'avais vu un médecin le vendredi qui m'a donné 3 petites tapettes dans le dos en disant « Vous êtes en forme, monsieur, avec votre âge, vous êtes en forme. » Prenez Tylenol. Ben ouais, tu prenais Tylenol. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, j'ai perdu mon épouse Louise. Et je
parle souvent avec elle. Nos proches qui sont morts avec Dieu, en Dieu, qui étaient amis de Dieu, qui... Ah! Tout le monde qui a connu Louise vont vous dire, tout ce beau monde-là va vous dire ce c'était une sainte femme. Oui. On dit, toi, t'es bien heureux, mais elle, c'est une sainte. Bon, OK, je comprends. Et là, elle est comme, j'ai un cadre dans le salon où j'étais assis, j'en ai un dans la cuisine, j'en ai un autre une autre photo dans ma chambre. Louise, elle est avec moi. Et pour moi, elle n'est pas morte, elle est vivante, elle est agissante aussi. Je crois que ceux qui sont vraiment avec Dieu, eh bien, on peut les inviter à vivre avec nous, c'est la communion des saints. Ils ne sont pas Dieu, ils ne font pas de miracles, mais ils intercèdent, ils ont un rôle priant dans notre vie. Alors tout à coup, me posant la question où je vais, à la messe ou à l'hôpital, tout à coup, c'est comme si Louise sortait du cadre. Elle m'avait fait ça au mois de septembre-octobre pour quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, qui a été très malade du cœur et puis qui a eu beaucoup d'opérations. Il y a des gens aussi qui ont été témoins de sa, je dirais, vivacité post-terrestre. Elle est vivante, voilà. C'est pas un rêve, là. Donc là, je n'étais pas endormi, j'étais bien réveillé, j'étais dans ma chaise et je priais. Et c'est comme si elle apparaissait devant moi et elle disait, ni un ni deux, tu prépares ta valise avec 2-3 jours de sous-vêtements, avec ta brosse à dents, pâte à dents, et tu vas à l'hôpital. Donc je regarde où aller, puis la place où il y avait moins de surcharge dans les urgences, et je suis allé là. Et puis je suis resté. Et puis ils ont trouvé. Et puis il y a aussi une thérapie qui dure 3 mois pour les péritonites aiguës, la fameuse colchicine qu'on connaît en France et au Canada. Donc je prends ça plus un anti-inflammatoire, mais ça a des conséquences, ça rend plus faible, plus fébrile. Donc c'est pour ça que, je vous dis que la communion des saints, quand on sait on connaît la vie, l'intimité, la prière, mais c'est surtout l'intimité, la prière. Ah, je vais citer des formules, tout le monde fait ça. Mais il y a des gens qui s'arrêtent et qui aiment méditer, vivre avec Dieu, louer Dieu, communier à Dieu. Le cœur à cœur, l'intimité, les larmes ensemble. Voilà, et ça c'était Louise. Donc, pour moi, j'ai aucune crainte devant ces phénomènes-là, et je comprends que d'autres que moi le vivent. Donc, pour moi, en quelque part, contrairement à ce que les protestants vont dire, ou les évangélistes, ou peu importe, de l'autre côté, on n'est pas congelé jusqu'à la résurrection. Non. On a une vie, puis on a une vie avec ceux qu'on aime, oui, et nous, vivant ici sur la terre, on peut avoir une communion. Donc là, elle sort du corps et elle me dit « tu y vas ». Et là, je me suis levé, vlang. J'ai pris ma douche, parce que j'avais eu une nuit encore de sudification. Je suis obligé de me changer. Je suis en sueur 2 fois. Je suis obligé de m'essuyer, me sécher les cheveux. Quand je dis « suer », c'est « suer ». Puis là, ben, j'ai appelé le taxi. Puis je suis allé à l'urgence de cette grande centre hospitalier de la ville de Québec. Bon! Et ils ont trouvé. Puis après 3 nuits, ben oui, ils m'ont dit, allez à la maison, puis voilà, les médicaments à prendre. Puis on va vous voir la semaine prochaine. Amen, amen, amen. Mais pour moi, c'est... je suis émerveillé devant le monde du royaume des cieux. Comment c'est vivant de l'autre côté. Ceux qui pensent... Quand on meurt puis on n'est plus rien, ça c'est parce qu'on n'est pas avec Dieu. Mais quand on est avec Dieu et qu'on a accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, quand vient le passage, on ne s'en va pas à être congelé dans le congélateur à moins 50 degrés centigrades. Non! Il y a une vie de plénitude qui commence, et puis il y aura la résurrection. Mais là, pendant que tu es...
C'est la vie éternelle, pas la mort éternelle, la vie éternelle. Ouais. On parle, on sent quelque chose, on vit quelque chose. Oui, oui, oui. Et avec Louise, j'en ai la belle certitude, et c'est ça qui est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Donc, j'ai passé ces trois jours-là, et ben, en disant à mon fils, qui me le suggérait, ben, de prendre un rythme qui sera le mien. Aujourd'hui, après-midi, bon, on va essayer d'en faire au moins une, peut-être deux, on verra. Mais attendez-vous qu'il y aura au moins une émission par semaine. Ça, il faut que j'aille au moins une, peut-être deux, peut-être trois. On ne sait pas, on ne sait pas. Si vous m'écoutez ce dimanche, il y a un évangile magnifique en Matthieu 4, 12. C'est Jésus qui apprend l'arrestation de son cousin. Il aimait son cousin. Jean-Baptiste, c'est un original. Il mangeait des sauterelles, puis toutes sortes d'affaires. Il était habillé avec des peaux de chameau. Mais c'est un gars qui était d'une transparence et d'une droiture incroyable et qui baptisait au bord du Jourdain. Donc, il est arrêté. Donc, il quitte Nazareth et il s'en va à Capharnaüm. Mais Capharnaüm, c'est pas vu comme une ville de saints, c'est vu comme une ville de pécheurs. Et il est écrit aujourd'hui, « Pays de Zabulon et de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres. » Jésus s'en va là. « A vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Une lumière s'est levée. C'est extraordinaire. C'est magnifique. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est le temps de te convertir, d'aller vers l'intimité avec Jésus, de te donner du temps, plus que du temps, la journée, la nuit, vivre avec, sentir avec, pleurer avec, avoir mal avec, être inquiet avec Jésus. Toi, Jésus, Jésus en toi, on ne fait qu'un. Un team, un together. Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche, il est à l'intérieur de toi. Et puis là, il va inviter Pierre et André, et après ça, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Et puis là, il y a eu la pêche miraculeuse, évidemment. Mais là, il continue avec les premiers disciples qui viennent, et il est écrit, il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie. Hein? B, C, D, toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu, Matthieu 4, 12 à 23. Oui, amen, amen, amen. Il y a des gens qui ont prié pour moi, je trouve ça intéressant. Guérissez toute maladie. Il y en a qui guérit, puis il y en a d'autres qui guérit moins. Mais la grande guérison, la GG, la grande guérison, c'est celle du cœur, de l'intimité. Et quand, finalement, ta pauvreté devient le royaume, tu sais que quand tu es pauvre en toi-même, que ce soit de santé, de situation familiale, de situation d'habitation, de situation sociale, de justice, d'enfant, mettez ce que vous voulez, te rends petit. Mais plus tu es petit, plus tu es proche de Jésus. Jésus est le Dieu qui est tellement petit, la porte est tellement étroite qu'on y rentre quand on est petit. La petitesse nous donne d'entrer dans ce chemin de lumière et puis l'intimité grandit. La gloire grandit à l'intérieur de nous, de toi, de moi et le miracle s'installe. Oui, 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 oui. Le miracle, est-ce qu'il est physique? Il l'est. Il guérissait de toute maladie et de toute infirmité. Il sortait les démons. Allez, dégage! Dégage, Satan! Dégage, c'est pas ton dossier. Dégage! Dégage! Mais plus tu es intime, plus, je dirais, toutes les circonstances de ta vie, et je le vois encore une fois, c'est pas la première fois que ça arrive, ça fait deux fois là, que c'est par pur hasard qu'on découvre ce que j'ai, et qu'on peut le traiter. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, et voilà. Ça fait deux fois que je dis aux enfants, votre père s'en va, mais il est d'accord là. Voilà. Et
J'avais des projets pour le printemps pour voyager, mais là, à cause des nouveaux médicaments, il faut voir que j'attende à l'automne. Bon, s'il n'y arrive rien, pas de changement, septembre, octobre, je devrais aller vous revoir quelque part. France, Antilles, Afrique, moi je suis prêt à aller où Dieu me veut. Où Dieu me veut. Oh, qu'est-ce que Dieu m'a dit ce matin? Il faut que je vous lise ça, je l'ai marqué sur un gros papier pour être certain que je l'ai très bien sous mes yeux. J'étais dans ma prière, je me réveillais, et Jésus, et c'est Jésus qui me parle. Il dit, Pierre, je m'occupe de tout. Toi, tu t'occupes de moi. Je m'occupe de tout. Répète après moi. Jésus me dit, je m'occupe de tout. Toi, moi, toi, tu t'occupes de moi. Et c'est là que j'ai pris la décision de filmer. Ouais. Pas fort. Je suis pas fort. Non, je sais que je suis pas fort. Mais lui s'occupe de tout. Moi, je m'occupe de lui. Alors, je te dis que Jésus est vivant, que Jésus est agissant, que Jésus est miraculeux, que Jésus n'a qu'un seul désir, c'est tout se donner. Ah. Il est déjà un don, mais il faut que tu ouvres. C'est toi qui ouvres. C'est. Toi, tu veux acheter un petit berlingot de lait alors que la laiterie t'est offerte, tu vois, tout est offert. Tu vois. Ouvre, laisse-le t'animer, dis oui, je consens, marquez-le dans les commentaires, je consens à ta totalité d'amour, je consens à ta totalité d'amour, je consens à ta gloire. J'en veux, je veux ta gloire. Écrivez-le en bas, là. Père, je veux la gloire de ton fils. Je veux ta gloire, Père. Je veux ta gloire. Pour avoir l'intimité, pour avoir la proximité, pour avoir la bonté, la chaleur, la lumière, la présence, le sourire. Le sourire, la relation. Amen, amen. Prions, je vois le temps avancer. Pour un gars pas en forme, ça roule bien, hein? Ça roule bien. Hein? Père éternel, baisse ta tête comme tes yeux. Papa, qui est en moi, merci, qui est dans mon frère, dans ma soeur. Oh, papa. Dis-le avec moi. Père, je te dis oui. Père, je te dis oui. Je consens à ta gloire. Je consens à ta gloire. Dans tout mon être. Nous me tsaïsil tsaïtur sol. Et je vois des démons. Là, allez dégager, oui. Ils s'en vont déjà. Bye bye, allez dégager. Et des démons de maladie, des démons d'infirmité, des démons de jalousie. Allez dégager. Dégager au nom de Jésus. Oui. Dans la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh. Ah. Occupe-toi de Jésus et il s'occupe de toi. Occupe-toi de Jésus. Parle-en. Ah, pas juste aux autres. Parle avec lui. Occupe-toi de Jésus. Il est là, là. Il est en dedans de toi, matin, midi, soir, quand tu vas au boulot, quand tu es pris dans un bouchon, quand tu prends le taxi, quand tu prends le bus, le métro. Il est avec toi. Vis avec Jésus. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Ah, oh, alléluia, je suis tout excité. Je vais essayer d'en filmer une deuxième là. D'accord? Oui, je consens ta gloire. Marquez quelque chose en bas dans YouTube là, ou sur le blog. Amen.